a retenu mon attention parce que c'est un défenseur qui a beaucoup de qualité pour moi. On va parler un peu de Rudy Camacho. En 2015, Laurent Simon a été nommé défenseur de l'année en MLS. Est-ce que Camacho peut aspirer au même honneur cette année, selon toi? Moi, je pense que Rudy Camacho est meilleur que Simon l'était à ce moment-là. Camacho, ça fait 10 matchs, il n'a pas mis un pied de travers. Il est extraordinaire. En ce moment, là, trophée Giuseppe Saputo qui va au MVP de l'année au CF Montréal, puis il y a le défenseur de l'année. C'est jamais arrivé depuis 2012 que... I'm OG, y'all new to the game. Y'all new to the game. New. I'm OG, y'all new to the game. G, y'all new to the game. G. We'll be right back.
was cut enough to bleed. Then I saw my secrets getting swallowed by the sea. Through a telescope, I saw a diamond glow. How you brought me home, I guess I'll never know. With God as my witness, never had it so good. Jumping into love, fires it's a dry wood. Started up as nothing, now it's gold and it's all on you.
you down the floor, what it do? J'ai vu beaucoup de... Depuis que je suis arrivé, j'ai regardé beaucoup de joueurs sur vidéo qu'on m'a proposé, énormément. Et Rudy a retenu mon attention parce que c'est un défenseur qui a beaucoup de qualités pour moi. Qualité défensive, c'est quelqu'un qui aime défendre, qui est agressif. Il m'a semblé être un leader sur le terrain. Et aussi, ce que j'ai apprécié, c'est la manière... dont il aime ressortir les ballons proprement de derrière, et c'est une philosophie de jeu qui est importante pour moi. Donc même si ce sera un défenseur avant tout, c'est aussi quelqu'un qui a une très bonne qualité de relance. Okay, on va parler un peu de Rudy Camacho. En 2015, Laurent Simon a été nommé défenseur de l'année en MLS. Est-ce que Camacho peut aspirer au même honneur cette année, selon toi? Moi, je pense que Rudy Camacho est meilleur que Simon l'était à ce moment-là. Camacho, ça fait 10 matchs, il n'a pas mis un pied de travers. Il est extraordinaire. En ce moment, là, profite Giuseppe Saputo qui va au MVP de l'année au CF Montréal, puis il est le défenseur de l'année. C'est jamais arrivé depuis 2012. Le même gars se retrouvait avec ces deux trophées-là. Puis pour moi, il n'y a pas 3, 4, 5 défenseurs ailleurs dans la Ligue qui sont comparables à Camacho. Mais pour moi, c'est plus stable, puis c'est un meilleur rendement global. Plus efficace? Oui, bien, s'il n'est pas là, tout s'écroule. Là. Mm-hmm. Cette défense-là est extraordinaire depuis le début de l'année. Et je pense que oui, c'est tout à fait un prétendant au défenseur de l'année en MLS.